Salam alaikum. On est là aujourd'hui pour vous présenter le cours des statistiques pour le niveau deuxième année secondaire collégiale. Les statistiques, vous avez commencé leur étude en première AS. Vous savez que toute étude statistique commence par la cueillette des informations. Vu les circonstances où l'on se trouve, on pourrait se proposer d'aller dans un quartier et de porte à porte poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a contracté le coronavirus? Faire ce travail-là, c'est la cueillette des informations. Les individus qui habitent ce quartier s'appellent la population. Et la question qu'on pose, avez-vous contracté le coronavirus? C'est de caractère, c'est-à-dire la propriété étudiée. Ici, on va se baser sur un exemple qui se réfère à 50 élèves de la deuxième année d'un collège et on s'est intéressé à leur mois de naissance. Alors, on a posé à chaque élève quel est votre mois de naissance. Les réponses sont affichées ici sur ce petit tableau. Ça, c'est la cueillette des informations. Nous allons maintenant essayer de dresser un tableau statistique que vous avez vu en première AS. Ça veut dire qu'en la première ligne, nous mettons les caractères. Sur la deuxième ligne, nous mettons les effectifs. Bien. Chaque caractère est reporté sur le tableau. Ce sont les mois de l'année, janvier, février, mars, etc. Sur le nombre d'élèves, on dit que c'est l'effectif partiel qui correspond au caractère janvier. Je rappelle que le nombre d'individus qui constituent la population s'appelle l'effectif total. On peut dénombrer ici que notre effectif est de 50 élèves. Alors, on a dénombré tous les caractères. Nous avons donc ici 3. La signification ici, ça veut dire qu'on a 3 naissances pour le mois de janvier, 2 naissances pour le mois de février. Pour le langage statistique, on dit que l'effectif partiel associé au premier caractère est 3. Ou bien, l'effectif partiel qui correspond au mois de février est 2. Ce tableau, on a dit, s'appelle un tableau statistique ou bien le tableau d'une série statistique. On a appris aussi à représenter un tableau par des représentations graphiques. Nous avons mis ici une représentation en bâton. Vous voyez, les caractères sont en abscisse, les effectifs sont toujours en ordonné. L'étude qu'on a fait ici, on dit que c'est une étude qui est quantitative. Qu'est-ce que ça veut dire quantitative? Ça veut dire que les caractères sont dénombrables. Ça veut dire que nous pouvons dénombrer les caractères. Nous passons à un autre type d'exemple. Vous avez ici le relevé statistique. C'est un caractère quantitatif discontinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les valeurs du caractère sont des nombres bien déterminés. Nous avons mis de la même manière que tout à l'heure, en premier lieu, les nombres obtenus dans une interrogation écrite. Bien. Les notes, nous avons le nombre d'élèves qui est en seconde ligne, c'est les effectifs, et puis les effectifs cumulés. Ben, un effectif cumulé, c'est, on va s'intéresser à la chose suivante. Nous avons deux élèves qui ont eu une note de 1. Combien d'élèves ont eu une note qui est inférieure ou égale à 3? Ben, nous allons faire façon des deux effectifs qu'on a ici. 2 plus 3 qui nous donne 5.
De la même manière, on peut se poser combien d'élèves ont eu une note qui est inférieure ou égale à 7. Il suffit donc de faire la somme des effectifs 2 plus 3 plus 6, et ça nous fait 11. Méthode pratique pour trouver notre effectif cumulé, c'est de prendre le dernier effectif cumulé et de lui ajouter l'effectif qui se trouve sur la diagonale sur la première ligne. Nous obtenons 12. Bon, nous avons 12 plus 2, 14. Qu'est-ce que ça veut dire 14? 14, c'est le nombre d'élèves qui ont eu une note qui est inférieure ou égale à 1. De la même manière, 14 plus 3, 17. Et on continue de la même manière. Nous allons remarquer que le plus grand effectif cumulé, c'est l'effectif total. Bon. Un caractère est dit quantitatif s'il est mesurable, les valeurs, s'il n'est pas mesurable, les valeurs dans ce cas sont souvent rangées dans un nombre croissant. Alors, un caractère, je répète, est dit quantitatif. S'il est mesurable, les valeurs dans ce cas-là sont souvent rangées dans un nombre croissant. La somme des effectifs partiels, c'est-à-dire lorsque nous faisons la somme de ces effectifs-là, nous trouvons l'effectif total. L'effectif cumulé d'une valeur x est la somme des effectifs de toutes les valeurs inférieures ou égales à x. C'est-à-dire, si on veut prendre l'effectif cumulé de 8, ben le 12, c'est quoi? C'est 2 plus 3 plus 6 plus 1. Nous retrouvons ici 12. Pour trouver le pourcentage, nous avons le pourcentage qui est l'effectif partiel et qui est divisé par l'effectif total qui est 25, multiplié par 100. En premier lieu, nous allons voir, calculer d'abord ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence nous donne une étendue des caractères. Bien, la fréquence, comment est-ce qu'on l'obtient? En divisant l'effectif par l'effectif total, nous obtenons la fréquence. Par exemple, ici, en divisant 2 par 25, nous obtenons 0,08. 0,08, si on le multiplie par 100, ben, nous obtenons le pourcentage qui est 8%. Nous avons fait de la même manière qu'on a fait pour les effectifs cumulés, les fréquences cumulées. Ça veut dire que 8% des élèves ont eu une note de 1. Ben, si nous passons et on se pose la question, quel est le pourcentage des élèves qui ont eu une note inférieure ou égale à 3, ben nous allons obtenir 12. Comment est-ce qu'on a obtenu ceci? C'est en divisant, en faisant la somme des deux là et en divisant par 100. De la même manière, on continue, nous allons remarquer que la somme des pourcentages, ça va nous donner 100%. La somme des fréquences cumulées. Lorsqu'on fait la somme des fréquences cumulées, ben nous trouvons que c'est 1. Vous avez remarqué que pour avoir une idée sur la dispersion des caractères, on se base sur les fréquences et généralement sur les pourcentages. Bien. Remarquez aussi ce qu'on a dit pour les fréquences cumulées, 0,08. Plus 0,12, ça nous donne 0,2. 0,2, si on lui ajoute 0,24, vous obtenez 0,44. Donc, la même définition va être donnée par la suite pour les fréquences cumulées. Pour une valeur x, on va dire la fréquence cumulée d'une valeur x est la somme des fréquences de toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à x. Nous passons donc à une représentation graphique de ces données-là. Nous avons essayé de représenter ici le diagramme en bâton. Ben, vous remarquez que ici, nous mettons toujours les effectifs et là, nous mettons les caractères. Ben, quand je regarde ma représentation graphique, qu'est-ce que ça veut dire que ce bâtonnet? Ça veut dire que deux élèves ont obtenu la note 1. Ici,
On peut dire que trois élèves ont obtenu la note de 3. Là, nous avons six élèves qui ont obtenu la note 7 et ainsi de suite. Bien. Une étude statistique peut se baser sur un caractère qui est qualitatif, continu. Bon, s'il est continu, des fois, nous avons trop de données. Et par conséquent, une lecture directe s'avère un peu trop longue. Alors, on préfère, pour faciliter la lecture, de grouper nos caractères dans des groupes qu'on va appeler des classes. Vous avez ici un exercice sur lequel on vous donne un diagramme en bâtonnet. Vous pouvez vous amuser à imprimer l'écran et sur une feuille de papier, remplir votre tableau ici des effectifs, tel qu'on l'a fait tout à l'heure. Et puis, nous allons vous demander de mettre les effectifs dans le cas des classes. Que signifie ceci? Ben, ça signifie que nous avons des élèves qui ont une note qui est inférieure ou égale à 4, supérieure ou égale à 0, inférieure ou égale à 4. Vous comptez le nombre d'élèves, vous le mettez ici. De la même manière, combien d'élèves ont-ils une note qui est supérieure à 4 et inférieure ou égale à 8. Vous le comptez, vous le mettez ici, et ainsi de suite. Si vous faites bien votre travail, l'effectif total que vous avez trouvé là, vous allez le retrouver dans cette case-là. Les effectifs cumulés, on rabaisse la première, vous faites la somme de cette case-là avec celle-ci, vous obtenez l'effectif cumulé deuxième, et ainsi de suite. Rappelez-vous que le plus grand effectif cumulé est l'effectif total. De la même manière, nous allons étudier les fréquences. On a dit c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Le résultat que vous obtenez dans cette case-là, vous le multipliez par 100 et vous obtenez votre pourcentage. Ça va être de même pour tout le tableau. Nous allons essayer à présent de dresser un histogramme. Pour ceci, on vous a donné un exemple par la suite. Vous allez le suivre et vous allez ensuite essayer de faire votre histogramme pour cet exercice-là. Bien. Nous avons pris ici des résultats d'une enquête qui concerne le poids en kilogrammes d'un certain nombre de personnes. 42, 43, 38, etc. sont les poids de ces gens-là. En premier lieu, on peut se poser la question, quel est l'effectif total? Ben, il suffit de compter les poids obtenus pour voir que l'effectif total est de 25. Bien. Nous allons essayer maintenant de créer des classes. Comment nous allons faire? C'est-à-dire que nous allons créer des classes d'amplitude 4. Vous avez 40 moins 36 qui est 4, 44 moins 40 qui est 4, et ainsi de suite. Vous me comptez combien de gens ont un poids qui est supérieur ou égal à 36 et inférieur à 40. Nous allons trouver que c'est 5. De la même manière, 11 personnes ont un poids qui est supérieur ou égal à 40, inférieur à 44. Et on continue comme ça, en dénombrant chaque classe, en trouvant le nombre d'individus pour chaque classe. Le pourcentage, on a dit, c'est 5, divisé par l'effectif total qui est 25, et vous obtenez ici 20%. Qu'est-ce qu'on comprend? Ben, on comprend que 20% des élèves, pardon, de ces gens, ont un poids qui est compris entre 36 et 40 kg. Le poids étant strictement inférieur à 40, puisque les gens qui ont un poids de 40 kg vont être dénombrés dans la deuxième classe. 44%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 44% des gens dont on a pris le poids ont un poids qui est supérieur ou égal à 40 et qui est inférieur à 44. L'effectif de ces gens est 11. On continue de la même manière comme ça. Vous pouvez vous amuser à faire le total des pourcentages. Vous allez trouver que la somme des pourcentages est 100.
Bien. Je rappelle qu'en première AS, vous avez tracé des secteurs angulaires, bien des demi-secteurs angulaires, et pour ceci, vous avez appris à trouver la mesure de l'angle. Ben, comment on va trouver la mesure de l'angle? On vous rappelle la formule. La mesure de l'angle, c'est 3,6 multiplié par le pourcentage. C'est-à-dire, nous prenons 20, nous le multiplions par 3,6 et nous obtenons 72. Je tiens à vous faire remarquer que certaines valeurs ici que nous avons faites sur le tableau sont des valeurs qui sont approchées parce que le rapporteur ne nous donne pas des lectures avec des nombres qui sont décimaux pour les mesures des angles. Pour ceci, on a donné ici 158, c'est une valeur qui est approximative, de la même que 43, 29 et 29. Bien. On a complété le tableau pour vous, pour bien comprendre ce que vous devez faire pour l'exercice précédent. Et maintenant, nous allons représenter les données par un histogramme. Le travail qui vous a été demandé de faire tout à l'heure, c'est un peu celui-ci. Vous avez ici la classe de 36 à 40. Vous avez remarqué qu'on avait obtenu 5 individus qui avaient un poids compris entre 36 et 40 kg. Ben, on a montré ceci en traçant ce rectangle-là. De la même manière, une lecture de l'histogramme me permet de comprendre que j'ai 11 personnes qui ont un poids entre 40 et 44 kg. Là aussi, vous avez entre 44 et 48 kg, nous avons 3 personnes. Et puis pour les autres classes, on a trouvé qu'on avait 2 personnes pour chaque classe. Bien. Alors, le diagramme circulaire. Vous avez vu que sur votre, là aussi, je vais vous laisser le travail à faire. Vous avez remarqué que j'ai pris ici un cercle, puisque nous allons faire un diagramme circulaire et non un demi-diagramme circulaire. Je rappelle aussi, j'ai oublié de vous dire que si vous faites un demi-diagramme circulaire, c'est que le pourcentage doit être multiplié par 1,8 et non par 3,6. Pour le diagramme circulaire ici, il a été divisé en des secteurs angulaires de 10 degrés chacun. Ben, vous avez pour le premier 72 degrés, vous allez prendre votre crayon de couleur et vous allez colorer la partie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous ajoutez un petit peu ici et vous obtenez le premier secteur angulaire, vous lui donnez une couleur et normalement on écrit le caractère, c'est-à-dire la classe, et le pourcentage en dessous. Bien, ce qui est nouveau pour nous en deuxième AS, c'est la moyenne pondérée. Avant de lire la définition, nous allons nous intéresser à la répartition suivante par âge des élèves d'un club de foot d'un établissement ou bien d'un collège. Bien. Vous avez sur le caractère, c'est l'âge des élèves, l'effectif, c'est le nombre d'élèves. On a ici 4 élèves qui ont un âge de 11 ans, 8 élèves ont un âge de 12 ans, 10 élèves ont un âge de 13 ans et 3 élèves ont un âge de 14 ans. On peut donc se poser la question, quelle est la moyenne d'âge pour ces élèves? Ben, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre notre caractère, nous allons le multiplier par le nombre d'élèves. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fait 11 plus 11 plus 11 4 fois. Au lieu d'écrire 11 plus 11 plus 11 4 fois, il suffit d'écrire 11 fois 4. De la même manière, combien d'élèves ont un âge de 12 ans, ben, il suffit de faire 8 fois 12 qui nous donne, 7 fois 12 qui va nous donner le nombre d'élèves. De la même manière ici, 13, 10 fois 13 et 14 fois 3. À corriger, nous allons corriger ici une faute de frappe, c'est que là nous avons un 7. Donc, nous faisons la somme de ces
produit. Et nous allons obtenir 44 plus 84 plus 130 plus 42 sur l'effectif total qu'on obtient à partir de là. 4 plus 7, c'est 11. 11 plus 10, c'est 21. 21 plus 3, c'est 24. Donc l'effectif total est 24. Nous divisons donc 300 par 24 et nous obtenons 12,7. L'âge moyen est de 12 ans et demi. Remarque, vous avez toujours cette moyenne pondérée qui est comprise entre la plus petite valeur et la plus grande valeur. Ça veut dire que lorsque nous faisons ce calcul-là, on doit s'attendre toujours à trouver un nombre qui est supérieur ou égal à 11 et inférieur ou égal à 14. L'âge moyen donc est de 12 ans et demi et nous allons donner notre définition. La moyenne pondérée d'une série statistique est le quotient de la somme des valeurs multipliée par les effectifs correspondant par l'effectif total. Nous passons donc à une représentation que vous allez faire de la même manière pour une classe. Ben ici, on ne va pas pouvoir multiplier l'effectif par la classe. Parce que le caractère ici est un caractère qui est continu. Nous allons donc rendre notre caractère quantitatif. Comment faire pour cela? C'est qu'on va attribuer pour chaque classe une valeur. Une valeur moyenne on dit. Comment est-ce qu'on l'obtient? Ben, en faisant la somme de A plus B sur 2, somme des extrémités sur 2. C'est-à-dire ici, vous allez faire 1,50 plus 1,6, 60, divisé par 2, et vous le mettez ici. De la même manière pour la case suivante, et ainsi de suite. Eh bien, votre série maintenant est à valeur quantitative, c'est-à-dire des valeurs qui sont mesurables. Vous faites 8 fois le premier centre, plus 8, plus 21, pardon, fois le deuxième centre, et ainsi de suite. Divisé par l'effectif total. Ben, l'effectif total, vous faites 8 plus 21 plus 34 plus 7 plus 3. Et vous obtenez l'effectif total. Un deuxième exercice, vous pouvez le faire aussi en imprimant les votre écran. À partir d'un diagramme maintenant, en battant, nous allons essayer de trouver quel est l'effectif d'abord de cette classe de troisième. Alors, on corrige ici deuxième. On met le deuxième reste de deuxième. Un x. Bien. Vous allez essayer de trouver l'effectif total, ben, vous allez essayer de faire la somme des effectifs que vous avez ici pour chacun des bâtons. Puis, vous allez essayer de calculer la moyenne des nombres. Ben, pour obtenir la moyenne des nombres, vous allez appliquer votre règle qu'on vous a donnée ici. Ça veut dire que vous faites le produit du caractère par l'effectif et vous faites la somme de ce produit-là sur l'effectif total. Nous allons passer à présent à un résumé de cours qui va nous donner les principales définitions et propriétés à retenir pour ce cours. Bien, vous avez ici un résumé de ce qu'on a dit sur ces deux cours. Vous pouvez le recopier sur votre cahier de cours. Ben, on a parlé de l'ordre d'une série statistique, elle peut être quantitative ou bien qualitative. Si elle est quantitative, ça veut dire qu'on parle de mesures de caractère, de mesures qui sont mesurables, c'est-à-dire avec des membres, des modes, des membres d'enfants dans une famille. Un caractère qualitatif qui n'est pas mesurable, par exemple la pluviométrie, par exemple la production des céréales d'un pays, la couleur des yeux, etc. On a parlé aussi de l'effectif cumulé.
Ben, l'effectif cumulé, vous avez la définition, on l'avait déjà donnée tout à l'heure, l'effectif cumulé d'une valeur de x est la somme des effectifs de toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à x. Vous avez ici un petit tableau sur lequel on a résumé le travail qu'on a fait tout à l'heure. Bien, une remarque, le plus grand effectif compte cumulé est l'effectif total. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites les effectifs cumulés, ben, le dernier doit vous donner l'effectif total. On a parlé aussi de la fréquence d'une valeur d'une série statistique et le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total. Sur l'exemple précédent, la fréquence de la valeur 7 est 6 sur 27. Nous revenons ici, pour le caractère 7, vous avez l'effectif qui est 6, on le divise par 27, ça nous donne 0,24. On a dit ceci, nous donne une idée sur l'étendue de notre série. Bien, en quoi est utilisée la fréquence? Généralement, c'est pour calculer le pourcentage. Ben, on vous a dit ici que la fréquence cumulée d'une valeur x est la somme des fréquences de toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à x. C'est un peu la définition de l'effectif cumulé. Le pourcentage, c'est l'effectif partiel sur l'effectif total multiplié par 100. On a vu ceci sur les applications. Et puis, on a parlé de la moyenne pondérée. La moyenne pondérée d'une série statistique est le produit de la somme des valeurs multipliées par leur effectif correspondant par l'effectif total. Je vous ai résumé ceci sur une formule comme ça. Vous avez votre moyenne pondérée qui est la somme des valeurs multipliées par les effectifs correspondants. Vous pouvez revenir sur les, si vous avez imprimé les écrans, sur les exemples qu'on vous a donnés, sur l'effectif total. Ben, remarque, la moyenne d'une série, on a dit, elle est toujours comprise entre les moyennes extrêmes. Des fois, les données, on a dit, sont trop nombreuses. Pour faciliter la lecture, on va regrouper les caractères en des groupes qu'on appelle des classes. Et pour pouvoir calculer la moyenne, ben, on utilise en tant que valeur du caractère le centre d'une classe qui se calcule par la somme des extrémités sur 2. Voilà, nous arrivons ici à la fin de notre cours. Merci de votre attention et à la prochaine.